Julien, comment se sont passés ces 3 jours entre Bordeaux et la préparation du match face à Bastia? Est-ce que vous êtes remis de cette grosse déception à Bordeaux? Vous avez été très bon et pas récompensé. Ben, on a pas le choix de toute façon. On a un match déjà demain, donc on est obligé de vite passer à autre chose. Vite se focaliser sur Bastia pour espérer prendre des points. Vite. Ce que vous avez montré à Bordeaux est encourageant selon toi? Oui, c'est encourageant, c'est encourageant. On a vu une équipe avec un très bon état d'esprit. On a vu une équipe qui sait où aller et qui a envie de faire plus, de sortir de cette spirale qui est compliquée. Donc il faut continuer là-dessus. Comment garder la foi? C'est vrai que vous restez sur 5 défaites d'affilée. Comment garder la foi dans ces moments compliqués? Bah, c'est pas facile, c'est clair, c'est pas facile, mais de toute façon, il y a personne qui croit en nous, donc si on croit pas nous en déjà en nous, pardon, ça va être compliqué. Donc il faut toujours croire en soi, continuer à faire ce qu'on fait de bien sur le terrain en ce moment, et je suis sûr que ça va aller. Que t'inspire cette équipe de Bastia contre qui vous allez jouer demain à domicile? On s'attend à un match dur, comme à chaque fois. Il va falloir être présent dans les duels. Je pense que le match il va beaucoup se jouer là-dessus. Et après, il va falloir être conquérant comme j'avais dit avant, comme on l'a fait sur ces derniers matchs. En quoi le premier succès de la saison à domicile la semaine dernière face au PFC peut vous aider dans ce genre de match? Bah, on a des choses sur lesquelles s'appuyer. On a vu qu'on était capable de faire. Donc il faut se souvenir de ça et encore en faire plus. C'est un troisième match en 7 jours. Est-ce que vous êtes pas physiquement, est-ce que ça va? Enfin, ça doit être un peu tiré dans les jambes, non? Ah, c'est l'enchaînement des matchs. Après, ça joue beaucoup aussi dans la tête. Il faut rester focalisé sur ces matchs, ne pas calculer. Bien sûr qu'il va y avoir de la fatigue, mais comme Bastia aussi, ils ont joué en même temps que nous, donc ça va être pareil pour les deux équipes. Quel message t'as envie de dire aux supporters qui hésiteraient à venir vous voir demain? Bah, qu'on va tout faire sur le terrain. Je sais qu'en tribune, ils vont faire ce qu'il faut. Donc j'espère qu'on va gagner ce match demain pour eux. Merci beaucoup, Merci. Julien.